Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de lecture. J'espère que vous vous portez bien. Le texte aujourd'hui sera encore une fois un texte relativement court. Mais avant cela, voilà, je voulais vous dire deux, trois choses par rapport à la chaîne. Donc comme je l'ai annoncé, j'en avais un petit peu parlé dans la vidéo précédente, donc il y aura un live ce week-end. Donc ça sera à dimanche 17h. Live qui ne sera pas retransmis, enfin qui ne sera pas reposté sur la chaîne par la suite. Voilà, c'était pour faire un petit peu le point. Voilà, parce que j'ai quelques idées en tête sur la suite des choses, mais je voulais voir en discuter avec vous pour voir aussi quelles étaient vos attentes et qu'est-ce que vous en pensez. Et puis ça permet, voilà, de retrouver un petit peu d'interactivité. Et j'en profite aussi pour dire que voilà, il y aura probablement pas de vidéo pendant un jour ou deux, ou enfin en tout cas quelques jours. J'ai besoin un petit peu de voilà de faire une pause. Ça me permettra aussi de lire un petit peu et de farfouiller dans ma bibliothèque pour trouver. Bon, j'ai déjà des idées de choses voilà que je voudrais faire. On en reparlera pendant le live. Mais voilà, j'ai aussi besoin un petit peu voilà, de me mettre à jour au niveau lecture et ça me fera du bien aussi. Voilà. Peut-être qu'on se retrouvera en fin de semaine, en tous les cas, au plus tard, dimanche 17h pour le live. Voilà, ces petites précisions étant faites, nous allons donc faire la lecture du texte de ce jour qui est de Jean Lorrain et qui s'intitule L'homme des berges. Et qu'il dédie à Gustave Kokio, l'homme des berges. Lui est en passe de remplacer, en pleine banlieue moderne, l'inquiétante légende du moine bourru. Le moine bourru, l'équivoque loup-garou des ruelles enlacées du Paris de Notre-Dame, du poète Gringoire et du roi Louis le XI. Le spectre encapuchonné de noir, dont la menaçante silhouette s'évoquait brusquement dans les culs-de-sac de l'île de la Cité à la tombée de la nuit. Celui-là même dont l'osseuse main vengeresse poignardait dans les bouges les beaux capitaines pâmés sur les seins nus des bohémiennes et changeait si dextrement les écus en feuilles sèches dans le bahut des maquerelles. S'étant lincelé dans une longue blouse de laitier, une défoue enfoncée jusqu'aux oreilles sur les guiches en rouflaquette, les pieds ballants dans les espadrilles, que surgit, à l'heure trouble des crépuscules, l'anonyme et hideux homme des berges. Au moment où le soleil mourant traîne ses derniers rayons sur les bois de Saint-Cloud, incendiant à mi-côte, au milieu de ces vignes, les vitres de la gare de Suresnes, du fond des carrières de plâtre où il pionce le jour, à pas cauteleux, l'échine courbée comme un fauve, l'homme des berges s'amène. L'air presque d'un flâneur sans la bizarre mobilité de ses yeux, il rôde et muse au bord de l'eau, du point de jour à Billancourt, de Billancourt à Boulogne, s'attardant aux gymnastiques en plein vent et aux guinguettes. Les mains dans les poches de son grimpant, en bonhomme, il descend jusqu'à Neuilly, épiant les ivrognes du lundi étalés au revers des talus, et regardant longuement, par-dessus les petits murs des villas, si le chenil est loin du corps de logis principal et si le chien est libre. C'est encore sa silhouette qui se profile le soir, presque tragique, dans sa blouse suaire en face de l'île de la Grande Jatte. C'est lui que, sans l'avoir entendu venir, vous trouvez tout à coup devant vous, marchant à pas feutrés sur le chemin de halage. Lui que vous butez subitement du pied, vautré dans les herbes d'un terrain vague et guettant sous ses paupières baissées de faux dormeur le jonc, l'or de votre chaîne et de votre canne. D'où vient-il? Que fait-il? Il est anonyme. Inconnu, invisible et cependant partout. C'est l'éternel danger des promenades suburbaines. Laitier, déménageur, garçon boucher remercié, maraîcher sans ouvrage, mystère. Les pierreuses elles-mêmes le redoutent car il a le surin facile. À Courbevoie, il s'appelle Doré et saigne, entre chien et loup, les vieilles rentières à coups de coquillages.
Il se nomme Berland à Asnières et partage avec maman, clé de Seine, la pile de vieux sacs qui sert de lit aux amants de l'ancienne. Il raccroche même avec elle et fait la fête avec les miches à 10 sous de la maison. Si la route est déserte, évitez de lui donner du feu le soir, à l'heure où les ouvriers deviennent rares. Et dans les endroits suspects, à la tombée de la nuit, supprimez toute occasion d'entretien en éteignant cigarettes et cigares. La vieille dame à pliants et à châle français qu'on rencontre parfois étendue sur le gazon, à l'angle d'un vieux mur, la tête cachée sous son ombrelle et qu'on croit endormie à l'abri du soleil, est une des victimes de l'homme sur les berges. Pour peu qu'on s'approche, la dormeuse a la face tuméfiée et verte, avec des mouches bourdonnant au-dessus et 2 pouces enfoncés et marqués dans le cou. Mais plus de bagues au doigt, plus de montres au corsage et plus de broches au châle. L'homme des berges a passé par là. Pis, le vieux cadavre porte parfois les traces d'une atroce souillure et le médecin légiste est appelé pour un rapport. En ce cas, l'homme des berges a paraphé son œuvre. C'est sa signature à lui, cette ignominie en plus. L'été, il dévalise les villas fermées d'Auteuil et de Passy. Il habite alors Boulogne, et dans Boulogne, le quartier des menus. À la fête de Neuilly, il rôle autour des baraques de lutte où affluent imprudemment diamantées les belles demi-mondaines. Si les solitaires passent à portée de sa main, gare, mesdames, à vos mignonnes oreilles. Il arrachera très bien le lobe rose et la chair saignante avec le joyau de prix. C'est un fauve. Il s'excite au meurtre sur la nudité grelottante et gracile des petits gamins qui se baignent. Satanique et goguenard, il intervient dans leurs ébats et leurs jeux de gosses peureux de l'eau froide. Et si un petit, plus frileux que ses camarades, hésite à entrer dans le fleuve, l'homme des berges l'empoigne, lui, par la peau du cou, comme un petit chat malade, et avec un gros rire le flanque en pleine Seine. Et le gosse noyé, quand les passants accourent, ameutés par les cris, il a disparu, l'homme des berges. Sa blouse est déjà loin, il a rejoint une tapissière de blanchisseur qui passait, et fouette ton cheval, mon poteau. Un homme de moins, la belle affaire. On en fera un de plus un de ces soirs, à la Marie ou à la Paula. Voilà, c'était L'homme des berges de Jean Lorrain. J'espère que cette lecture vous aura plu. Donc je m'absente pour quelques jours. On se retrouve d'ici la fin de la semaine et au plus tard dimanche à 17h pour le live. Et d'ici là, prenez soin de vous.